Bamananw ko ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ nin so dagabana minnu na, tunga lafiya de nin so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunkarange minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka tɛrɛn sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Tɛrɛn bɛ tunga lafiya maaw bolo banankɔrɔninkaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ site hectare 3 o de sanfɛ. Tɛrɛn in kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye titiri foncé de ye wa 15 sur 20 o de don. Sɛbɛn wari 4 000 000 ani 100 000 i bɛ se k'a sara dɔndɔni kalo 12 kɔnɔna la. I bɛ euro wari 575 ni ka o bɔ, walima kalo 18 i b'a sara dɔndɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ, o bɛ bɛn kalo 18 ma. A dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ tɛrɛn ale bɛ k'i ta ye. Ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sefo wari 4 000 000 ani 100 000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen, i bɛ se ka i ka wari sara tɛrɛn ale bɛ k'i ta ye. Aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla tɛrɛn bɛ aw bolo, tɛrɛn ninnu papiye titiri foncé walima permis d'occupé de don, i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma. I n'a fɔ anw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na, u b'a jɔ ni k'a d'i ma k'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ. O kuma la tunkarange minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama, walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na. Ne mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa, o kuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47. Tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, u bɛɛ lajɛlen kelenkelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ Ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre information sur Mali Kounafoni TV. La réunion d'hier à la primature a permis d'évaluer les actions du programme de mars à septembre 2022 et d'actualiser la période d'octobre 2022 à mars 2024. C'est la première fois qu'un ministre russe des Affaires étrangères se rend au Mali. Cette visite, qualifiée de haut niveau par les autorités maliennes, s'inscrit, selon elle, en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la transition d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques. Les secouristes poursuivent mardi leur recherche de rescapés au lendemain du puissant séisme dont le bilan dépasse désormais 5 000 morts dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Une véritable course contre les heures qui passent et le froid glacial. Pointe une énorme affaire de corruption impliquant la défense ukrainienne, l'ancien Eurodéputé Florian Philippot a accusé Kiev de détourner l'aide financière que l'Union européenne accorde au pays. La velléité de déstabilisation contre le Mali se poursuit. Le président français qui continue de mâcher et d'avaler la quinine n'a pas abandonné son projet macabre et funeste contre les militaires au pouvoir à Bamako. Selon nos informations, Macron n'a toujours pas digéré le désaveu et l'humiliation qu'il a subi depuis l'avènement du Saint. La vérité de déstabilisation contre le Mali se poursuit. Le président français, qui continue de mâcher et d'avaler la quinine, n'a pas toujours abandonné son projet macabre et funeste contre les autorités maliennes. Selon nos informations, Macron n'a toujours pas digéré le désaveu et l'humiliation qu'il a subi depuis l'avènement des 5 colonels au pouvoir au Mali. Au chapitre sportif, le joueur ghanéen Christian Astu a été sorti des décombres à vie mais blessé. Ce mardi, au lendemain du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, une petite éclaircie dans un paysage de désolation. Christian Astu, âgé de 31 ans, ancien joueur de Chelsea et de Newcastle, a été retrouvé vivant après avoir passé de longues heures sous les décombres suite aux violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Un dirigeant du Hatayspor où évolue l'international ghanéen, depuis 2022 a annoncé la nouvelle ce mardi matin sur une radio turque. À
l'intention des annonceurs, la direction commerciale de Mali Kounafouni TV ouvre un espace pour vous toutes. Celles ou tous ceux qui désirent faire connaître son activité peuvent nous contacter au numéro suivant qui sont 76 65 63 82 ou encore le 66 65 63 82. Et c'est ainsi qu'est prend fin ce flash d'information. Merci pour votre aimable attention.